Raconte-moi ton histoire, Julie. Marie, Marie, ton dernier souffle. Il faut que je te dise, il existe un lieu où on se retrouvera. Pas comme un mot. Moi, je serai noire. À Pacamambu. Qu'est-ce que c'est, Pacamambu? Pacamambu, c'est vraiment le pays de toutes les lumières, où l'homme devant l'autre homme ne se demande pas si c'est un homme. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Nous avons besoin de parler. Pas envie de parler, pas envie qu'on me parle, pas envie de rien. Moi et mon gros chien, on a décidé qu'on allait faire quelque chose qui allait être terrible. On allait rencontrer la mort et on allait lui casser la gueule à la mort. Et voilà. Ouaf! Viens ici, le gros. Ouaf! Si demain je meurs, si demain la lune rentrait par la fenêtre et me disait « Allez hop, Julie !» Gros, ton cul, c'est à ton tour de passer par la fenêtre. Mais t'es pas mort. Et alors? Et alors rien, c'est juste que c'est pas normal. Et toi, c'est normal que tu puisses me parler, alors que t'es un chien. Marie-Marie, je crois que Julie commence à devenir folle. Elle veut te maquiller. La Camambo est dans les yeux de chaque enfant. Si tu acceptes de vivre, tu acceptes surtout de mourir. Une vieille femme pas belle, pas riche, pas rien de rien. Mais je l'aimais parce qu'elle prenait soin de moi. Julie! Je suis la mort! Rencontrer tous les psychiatres du monde!